tous ceux-là qui sont hommes, femmes. Un pasteur a été appelé à prêcher dans une église. Et pendant qu'il entrait, tout le monde le rejetait. Personne ne le regardait. Même ses propres diacres le poussaient parce qu'il était habillé comme un mendiant. On n'a pas voulu le laisser monter dans la chair. On l'a tiré. Tout le monde pensait dans sa tête, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un prostitué. Il ne mérite pas de s'asseoir à côté de nous. Toute l'église mettait sa main sur le nez. Ils l'ont enlevé de la chair parce qu'ils attendaient le pasteur. Ils l'ont fait asseoir par terre. Tout le monde s'attendait à voir un mendiant. Le pasteur monta sur scène. Il ouvra le micro et il commença à parler. Vous vous appelez chrétien. Vous allez à l'église. Vous priez Jésus. Mais tout le monde était étonné. Oui, on acclame, on acclame. J'étais devant vous. Je suis venu comme un mendiant. Je me suis mis dans la peau d'un mendiant. Mais regardez-moi votre pasteur. Personne n'a voulu me regarder. Personne n'a voulu m'accepter. Personne n'a voulu me toucher. Certaines filles me fouillaient. Certains frères qui me saluaient quand je suis en veste ne me comprenaient pas. Personne d'entre vous m'a aimé comme Christ a aimé. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous marchez dans la gloire de Dieu. Mais vous n'aimez pas Dieu. Parce que celui qui aime Dieu aide les pauvres. Celui qui aime Dieu soutient l'autre lorsqu'il tombe. Celui qui aime Dieu sort dehors et donne la vie aux drogués, donne la vie aux prostituées, donne la vie à cet enfant qui n'a rien. Les amis, être chrétien ne veut pas dire rester entre quatre murs de l'église et prier et jeûner et attendre qu'un certain Jésus vienne nous élever. Mais être chrétien, c'est penser aux pauvres, penser aux malades, penser aux gens qui sont tombés, prier pour eux et transmettre le message dans le monde entier. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes assis à l'église, nous attendons que le ciel s'ouvre. Nous attendons que Jésus nous aide. Nous attendons que nous puissions aller au ciel. Mais nous avons des voisins, nous avons des voisines, nous avons des familles, nous avons des frères et sœurs qui meurent sans connaître le Seigneur. Ils sont dehors, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les hôpitaux. Ils attendent l'évangile, ils attendent la parole. Mais qu'est-ce que nous les offrons? À cause de l'apparence, beaucoup sont rejetés. À cause de la pauvreté, beaucoup ne sont pas vus. Chrétiens.